tu as bonne mine? Oh, bonjour. Je suppose que tu rends visite à Ryoma? Ah, j'ai moi aussi vu Katsura récemment. Il m'a demandé la même chose. Quand j'ai laissé Ryoma à l'auberge, Omi, je lui ai dit de ne pas être impulsif, mais... il m'a répondu avoir conçu un plan extraordinaire. Va savoir ce qu'il a en tête. En effet, il ne nous écouterait pas de toute façon. Je continuerai juste à le surveiller. Oh, je sais! Et si nous lui apportions quelque chose? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Tu m'aides à trouver? Alors allons-y. Quels sont ses plats préférés déjà? Nous pouvons partir, maintenant que nous avons notre cadeau. Ryoma est sûrement encore à l'auberge au mi. Est-ce que ça vient de l'auberge au mi? J'appelle des renforts. Va voir Ryoma. Je suis prêt à me battre. J'ai un mauvais pressentiment. Venez! Et pour le Japon! No!
Vous cherchez quelque chose ? Il avait une mauvaise influence, mais je me suis occupée de lui. Une ère de troubles et de conflits approche. Bientôt, tu ouvriras les yeux. Écoute. Shintaro est blessé. Il faut que tu l'aides. Reste avec nous, je t'en supplie. Garde bien les yeux ouverts. Pense donc à ton rêve, aussi vaste que l'océan. Mon rêve. Ouais. Je vois enfin l'avenir. L'avenir de notre belle et grande nation. Rassembler ceux qui ont un talent. Qu'importe leur statut social. Créer un parlement. Et puis... je parcourrai le monde et je m'instruirai. Si on veut changer le monde, il faut commencer par soi-même. Je te fais confiance. Bien sûr. Je t'en prie, Oria. Sauve mon ami. Va l'aider. Aide-moi un peu. Attention, retiens-le bien. Apporte de l'eau chaude. Beaucoup d'eau chaude. Nous en avons pour un moment. Vas-y. Ça pourrait faire mal. Mais sois courageux. Ce n'est plus entre nos mains. Bon, nous ne pouvons qu'attendre. Et prier pour un miracle. Nous allons rester avec lui jusqu'à son réveil. Toi, retrouve ces brutes. Je veux qu'il le voie quand il ouvrira les yeux. Qu'il voie son nouveau Japon. Une grande bataille ne paraît pas nécessaire. Nous devons simplement leur montrer la différence de puissance. C'est vrai. Nos hommes sont plus nombreux que les leurs. Au début des combats, ils verront sûrement quelle erreur ils ont faite. En effet, j'ai hâte de discuter des conditions de la paix. Si ça traîne trop, nous risquons de succomber aux puissances étrangères. Je vous ai fait libérer. Montrez-moi de la gratitude. À cause de vous, les négociations ont pris un fort mauvais tour. Bien. En ce qui concerne les armes que vous vendez, nous allons toutes les prendre.
Salut! J'ai appris pour Ryoma. Cet homme avait une telle assurance. Il était impossible de ne pas baisser sa garde une fois qu'il était lancé. C'était plutôt bien, cela dit. Il rendait les choses plus positives. Voilà pourquoi j'avais l'espoir qu'il réconcilie les deux camps dans cette guerre. Mais tout est tombé à l'eau. Le monde s'en retrouve changé. Les gens veulent du sang. Un affrontement est inévitable. La samouraï à la griffe de démon a donc attaqué Ryoma. Mais qui est cette samouraï, d'ailleurs? Un duo de guerriers formés pour renverser le shogunat. Pas étonnant qu'elle soit si déterminée à réduire ce pays en cendres. Ta partenaire et toi êtes très différents, n'est-ce pas? C'est sûrement dû à l'influence de Ryoma, ou alors à la mienne. Quoi qu'il en soit, je me rends compte que vous êtes unis par un lien solide. Mais il va falloir que tu tranches ce lien un jour, toi et personne d'autre. L'affrontement entre le shogunat et les deux clans a déjà commencé. La samouraï à la griffe de démon va bientôt se montrer. Nous devons donc être prêts à tout. Nous faisons aussi cela pour Ryoma. Tu sais ce qu'il te reste à faire. À la prochaine. Comment vas-tu? Salut! Ryoma, et même Nakaoka, parti. Je n'aurais pas dû te laisser y aller seul. Nous aurions dû y aller ensemble. S'ils n'avaient pas convaincu les clans Satsuma et Choshu d'unir leurs forces, nous ne serions pas allés aussi loin. Mais je crains que les Satsuma n'aient montré que de l'ingratitude. Tu connais déjà la situation, je suppose. Il faut passer à l'action. Le combat est inévitable. Le Japon ne changera pas si les Tokugawa contrôlent la nouvelle administration. Nos buts ne sont pas forcément les mêmes. Mais vu les effectifs du Shinsengumi, nous avons besoin d'autant d'alliés que possible. Je t'en prie, combat les Tokugawa avec nous. Bien sûr. Prends le temps dont tu as besoin. Nous serons là quand tu auras fait ton choix. Par ici. Je ne t'apprends rien. Mais l'heure est venue d'affronter les rebelles. Il ne faudra pas les sous-estimer, même si nous sommes plus nombreux. Nous avons combattu côte à côte par le passé. Notre lien est fort. Voilà pourquoi je réitère ma demande. S'il te plaît, bats-toi à nos côtés, avec le Shinsengumi! Merci beaucoup. Si tu es avec nous, personne ne pourra nous vaincre. Son Altesse veut que nous attaquions de toutes nos forces pour établir la paix au plus vite. Tu attaqueras le quartier général ennemi. Bonne chance. Une fois que nous aurons gagné, nous serons tous des héros. Allons-y! Thank you.
nom est Jules Brunet. C'est un honneur de combattre parmi des samouraïs si renommés. Nous attendions votre venue. Je m'appelle Kondo, du Shinsengumi. Mes soldats du Denshutai sont bien entraînés et sont prêts à combattre. Écoutez, la cour impériale a enfin décidé l'abolition du shogunat. Maintenant, c'est nous les royalistes. Et les Tokugawa sont les rebelles. Nous avons réussi. Oui, nos efforts sont récompensés. Nous avons la justice de notre côté. Notre ennemi n'est rien de plus qu'une bande d'agitateurs. Aux armes! L'armée révolutionnaire, conduite par Choshu et Satsuma, prit position contre les forces du shogunat. Ainsi, le rideau se leva sur la guerre de Boshin. C'est l'heure. Ne laissez pas passer l'ennemi! Montrez-leur ce que vaut le Shinsengumi! Pour le Denshutai de prouver sa valeur. En avant! Détermination des Choshu. Ne vous en faites pas pour moi. Allez-y. Ah, tu es là. Nous allons nous occuper de ces gars et prendre le pire. Les Pays-Bas. Oui, mais ne prends pas de risques, Chikata. J'ai vu assez pour savoir que ce ne sont pas des amateurs. Seul le plan Satsuma peut conduire ce pays vers la grandeur. Je peux continuer. Je peux. Allez.
Pas sur notre route. Le moment de vérité. Le Japon sera perdu si nous permettons aux Tokugawa de garder le pouvoir.
volonté inébranlable de Choshu. N'a pas perdu de temps. Venir nous chercher ici. Vas-y. Tu nous détruis grandement. Le chasseur peut rapidement devenir victoire. Au pire. Nous n'avons pas le temps pour les distractions. Allez. Connaissons bien. Mais le fardeau que je porte n'est plus le même qu'avant. Non. Si nous perdons, ce pays sera... Alors, c'est la fin. Les dieux sont-ils de la partie ? Katsura, allons jusqu'au front. Katsu. Le navire d'Enomoto a fait demi-tour. Vite, vous devez partir pour Edo. Jamais! Si je m'enfuis, c'en est fini du shogunat! Mais c'est exactement ce qu'ils espèrent tous. Si vous succombez ici et maintenant, la guerre engloutira toute la nation.
Seigneur Katamori, je vous en prie. Tu brûles du désir de te venger. Laisse-nous éteindre ces flammes. C'est loin d'être fini. Le commandant ennemi a fui. C'est le moment. Les cieux combattent à nos côtés. Les troupes du Shogun vont toutes battre en retraite. Nous ne devons pas relâcher nos efforts. Feu! Replie-toi vite. Occupe-toi de Brunet. Je resterai à tes côtés. L'âge du sabre est terminé. Mais moi, je vis par le sabre, ou pas du tout. C'est la fin pour nous autres samouraïs. Toshi, toi et les autres, vous devez devenir des samouraïs d'un nouvel âge. Allez, partez! Seigneur Brunet? Pour exploiter sa victoire, l'armée révolutionnaire se mit en marche vers Edo. Abattus par leur défaite à Toba Fushimi, les survivants de l'armée shogunale fuient vers Edo dans le sillage de leur commandant. Stimulés par sa victoire, l'armée révolutionnaire se dirige vers Edo dans le but d'infliger le coup de grâce à ses ennemis. Oh, c'est toi. Rassemblez vite les troupes. Nous devons aussi aller à Edo. Ah, je suis heureux que tu sois toujours en vie. Son Altesse s'est retranchée à Edo. Le Shinsengumi et le Denshutai restent à Kyoto. Mais ils ne peuvent continuer le combat sans ordre du Shogun. Ils vont devoir partir. Je n'ai survécu aux événements que grâce à l'aide de Kondo. Je dois à ce samouraï de continuer à combattre pour lui. Je sais qu'il s'est précipité au combat. Ensuite, je ne l'ai plus vu. J'espère du fond du cœur qu'il est en vie, mais... je sais maintenant ce qu'est l'âme d'un vrai samouraï. Où qu'il soit désormais, cette âme flambe à l'intérieur de moi. En l'occurrence, ma nationalité n'est pas en cause. Je suis les impulsions de mon cœur. Ça, par exemple. Je n'aurais jamais pensé un jour échanger des paroles de cette nature avec vous. Je dois encore vous dire quelque chose. Celle qui a attaqué le Shogun n'est autre que la samouraï à la griffe de démon. Monsieur Katsu, l'avez-vous vu venir ?
n'est-ce pas? En tout cas, il a protégé de justesse la fuite de son Altesse. Ce monstre va sans doute poursuivre le seigneur Yoshinobu. Êtes-vous prêt à partir pour Edo, maintenant? Alors, partons immédiatement. Le groupe de Katsu est déjà en route vers Edo. Il a un coup d'avance, comme toujours. Nos forces se mêleront quand nous y serons. Le Shogun est bien hors de danger, mais il va devoir se reposer. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi ne pas avoir combattu? Avec ma flotte, nous aurions gagné cette bataille! Nous avons suivi les ordres du Shogun. Il n'a pas voulu que nous combattions. À vrai dire, Enomoto, je crois qu'il est prêt à sacrifier sa propre vie pour les millions d'habitants d'Edo. Et tu comptes le laisser faire? Tu es un samouraï! N'est-ce pas ton devoir de protéger ton maître et seigneur? Il est vrai. Et c'est pour cela que j'ai une tâche importante à te confier. Enomoto doit emmener son Excellence et ses hommes en sécurité à l'étranger. Le peuple d'Edo, lui aussi, doit fuir avec ses propres bateaux. Comment ça, fuir? Que comptez-vous faire? Ce n'est pas sérieux! Après quoi, nous mettrons le feu à Edo. J'ai d'ores et déjà informé le chef des pompiers, Tatsugoro. Nous détruirons tout ce qui pourrait leur être utile. Quand ils seront affaiblis, nous aurons une chance de négocier. Tu comptes réellement sacrifier Edo? Si Edo devait être un champ de bataille, ce serait un pur carnage. Combien de citoyens périraient? Croyez-moi, c'est la seule solution. La restauration approche. Et bientôt, tout va brûler. Le Sekiotai va en faire son affaire.